Les petits podcasts politiques de l'atelier paysan. Des penseuses. Des penseurs. Pour nous nourrir. Pour faire mouvement. Pour lutter contre les technologies qui nous aliènent. Pour inventer et rêver un monde qui nous élève. Pour en finir avec les logiques industrielles en agriculture. Intéressé par tout ce qui concerne la possibilité de retrouver une certaine autonomie par rapport au système. Je veux dire, tant qu'on est en effet, je crois, pieds et poings liés par le salariat, par tous les liens que le système a tissés dans nos vies, eh bien, nos possibilités d'agir autonome sont limitées, mais aussi, quelque part, les possibilités de penser de façon autonome. Et bon, le travail que j'ai pu faire, ça porte sur les semences, et justement, c'est cette question de l'autonomie. Comment se fait-il que semer le grain récolté, qui est quelque chose qui est littéralement fondateur, je pense, et de l'agriculture, et quelque part à travers l'agriculture de notre humanité, comment se fait-il que ce geste, en quelque sorte, qui a des racines anthropologiques extrêmement profondes, maintenant soit rendu impossible ? C'est-à-dire que depuis deux siècles, le but du système, c'est en effet d'en finir avec le fait de cette autonomie qui permet de semer le grain récolté. C'est le jour où toutes les semences seront entre les mains d'une bande de voyous, parce qu'il n'y a pas d'autre terme à utiliser, ce sont c'est-à-dire les fabricants de pesticides, puisque c'est eux qui ont pris les contrôles des semences, eh bien, je pense qu'à ce moment-là, il ne nous restera plus que nos yeux pour pleurer. Je veux dire, s'ils prennent le contrôle. Et disons, c'est extrêmement avancé. Voilà. Donc, maintenant, pour essayer d'introduire, justement, sur la longue période, cette question de l'autonomie, c'est comment nous avons été privés de cette autonomie, comment cette autonomie a été confisquée, je vais passer par un biais qui va peut-être vous surprendre un petit peu. Mais qui, je pense, est sur le plan, en quelque sorte, pédagogique, permet de comprendre facilement un certain nombre de choses qui pourraient être autrement difficiles à comprendre. Alors, dans cette pièce, vous êtes certes peu nombreux, mais vous êtes tous différents. Mais c'est un véritable gâchis, cette diversité. Alors que parmi vous, il y a certainement un individu supérieur, un premier de cordée, apte à la guerre de tous contre tous. Si je pouvais vous remplacer tous, autant que vous êtes, par le clone de ce premier de cordée, est-ce que vous imaginez le progrès formidable que ce serait ? Alors, ça me permet, ça, disons, de vous faire comprendre une deuxième chose. C'est que si l'échantillon ici avait été beaucoup plus important, il est probable que dans cet échantillon plus important, j'aurais trouvé un premier de cordée supérieur au premier de cordée que j'ai trouvé ici. Mais évidemment, faire croître cet échantillon de façon quasiment illimitée est très coûteux, parce que, évidemment, là, pour sélectionner le meilleur premier de cordée parmi vous, il faut que je fasse une série de tests. Ça coûte cher. Donc je peux doubler la population que vous êtes, l'échantillon que vous êtes. J'obtiendrai sans doute un premier de cordée un peu supérieur, mais est-ce que ça vaudra le coup ? Et si je devais étendre la recherche de ce premier de cordée à une population d'ensemble, c'est-à-dire la population française, pour enfin découvrir un premier de cordée véritablement supérieur à tous les premiers de cordée possibles, c'est-à-dire celui qui est à l'Élysée, vous voyez bien que ça me coûterait extrêmement cher. Alors heureusement qu'il y a le suffrage universel, n'est-ce pas, qui est orienté, comme vous le savez sans doute. J'ai écouté à la radio hier, je crois, c'était sur YouTube, un monsieur qui vient d'écrire un livre
sur l'élection de Macron et qui montre que l'élection de Macron, ça a été quelque chose qui a été complètement coopté et piloté. Piloté par Xavier Niel, par Bernard Arnault, les Bolloré, etc. En plus, Xavier Niel est maqué avec la fille de Bernard Arnault. Et c'est eux qui ont piloté depuis 2012 la montée en puissance à travers les différents médias qu'ils possèdent de M. Macron. Bon. Alors ce monsieur, ce journaliste, n'a pas pu publier en France. Vous savez, c'est un pays où il y a une liberté de la presse. Hein. Il n'a pas pu publier en France, il a été obligé d'aller publier son livre en Belgique. Et il y a un autre livre du même style qui raconte à peu près la même histoire, qui est celui de Juan Branco. Je ne me rappelle plus le titre, donc vous connaissez Le Crépuscule. Et qui lui aussi raconte comment son manuscrit a été refusé par toute une série d'éditeurs et il a eu beaucoup de mal. Il a trouvé finalement une petite maison d'édition qui a accepté de le publier, grâce à quoi d'ailleurs le livre s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires et ça continue à se vendre à un rythme très rapide. Donc tout ça pour vous dire qu'on est dans un pays vraiment où il y a une très très grande liberté de la presse, liberté de l'information. Ça, je pense que vous en êtes tous convaincus. Donc j'en étais à mon exemple. Là, pour l'instant, je vous ai fait saisir que, au fond, ce que je suis en train de vous proposer de faire, c'est-à-dire remplacer une population, une diversité par un clone du meilleur élément de cette diversité, eh bien, il suffit de regarder autour de vous. C'est ce que nous avons fait depuis maintenant des décennies pour les plantes et pour les animaux. Qui s'étonne encore à l'heure actuelle de voir, lorsqu'il observe un champ, de voir que toutes les plantes sont différentes. Que toutes les plantes, pardon, sont exactement identiques. C'est d'ailleurs la fierté des agronomes industriels. Ils vous disent, les plantes font la table. Mais quelle merveille, quel progrès incroyable, n'est-ce pas? Et donc, voilà, donc c'est ça à quoi ça correspond, ça, cette idée d'uniformité complète? Eh bien, pour moi, ça remonte, en fait, à la révolution industrielle. C'est-à-dire que la révolution industrielle, c'est la production de masse. Qui dit production de masse dit qu'il faut des marchandises qui sont parfaitement standardisées, normalisées, uniformisées, de façon à pouvoir rentrer dans des circuits mondiaux, de façon à pouvoir être étiquetées et qu'on soit sûr que c'est ça. Donc il faut que ces marchandises soient également, donc, non seulement standardisées, etc., mais il faut qu'elles restent les mêmes année après année. Et en effet, si vous utilisez cette technique de l'isolement, que je vous dis remplacer une population par des copies de la meilleure plante que vous avez pu trouver au sein de cette diversité, au sein de cette variété, eh bien, vous obtenez ce résultat-là, cette formidable uniformité. En plus, lorsque vous obtenez cette formidable uniformité, vous avez un avantage supplémentaire. C'est que vous pouvez éventuellement, ça va mettre pratiquement un siècle et demi à se produire, vous pouvez éventuellement en arriver au brevet. Comment voulez-vous breveter des variétés? Variété, c'est ce qui varie par définition, ce qui change. Il n'y a pas moyen d'établir un brevet sur quelque chose qui est sans arrêt fluctuant et changeant. Tandis que sur un clone, c'est-à-dire une plante qui est condamnée à ne plus changer par définition, eh bien, vous pouvez décrire suffisamment, avec suffisamment de précision ce clone pour dire bah, ce clone appartient à X, Y ou Z. Et c'est ce qu'on a fait pour les plantes. C'est le système de l'Union pour la protection des obtentions végétales qui a été mis en place en France, ce qu'on ne sait pas assez, dès la fin des années 1920, sous la pression, la double pression à la fois des semenciers et des agronomes technocrates de l'État, qui ont profité de cette occasion absolument merveilleuse qui a été la liquidation d'une partie de la paysannerie avec la guerre de 14-18 pour justement pousser leur projet technocratique de modernisation, de poursuite de la modernisation de la culture, c'est-à-dire d'élimination de la paysannerie. La paysannerie, du point de vue du système dans lequel nous sommes, présentait un désavantage majeur, c'est que la paysannerie est relativement autonome. Je veux dire, les paysans dans les campagnes, ce qu'ils voulaient, c'est qu'on leur foute la paix, essentiellement. L'histoire de la Révolution française, c'est en gros, c'est ça. Ils se sont révoltés le jour où on est venu les emmerder. Mais sinon, ce que demandent les paysans, c'est qu'on leur foute la paix. Ils voulaient continuer à avoir leur mode de vie tranquillement, sans qu'on vienne les forcer à changer. Eh bien, la Première Guerre mondiale, ça a été le choc
qui a permis en effet de faire en sorte que la main de fer du progrès a saisi les rescapés à la gorge et ne les a plus lâchés. Donc en 1955, il y avait, paraît-il, 6,5 millions de paysans, il en reste maintenant 20 fois moins. Hein. Littéralement, ça a été une évacuation complète. Pourquoi ? Parce que ces paysans restaient autonomes, relativement indépendants. Si jamais il y avait un problème, eh bien, ils pouvaient se serrer la ceinture et quand même faire face à la situation. Et ça, c'est quelque chose qui est, disons, cette autonomie paysanne, et c'est la même chose pour d'autres catégories socio-professionnelles, hein, les artisans, les commerçants et autres, c'est quelque chose qui est insupportable pour le capitalisme. Alors, la deuxième chose qui est insupportable pour le capitalisme, c'est, on a commencé à en parler, c'est ce que j'appellerais la gratuité de la reproduction. Les êtres vivants se reproduisent et se multiplient gratuitement. Hein. Du point de vue du système marchand, c'est vraiment l'horreur absolue. C'est insupportable. Donc, ça fait exactement deux siècles. Deux siècles que le but du système, c'est d'en finir avec la gratuité de la reproduction. Ça fait deux siècles que ça dure. Évidemment, c'est un projet d'une ampleur inouïe. Séparer la production de la reproduction, séparer ce que la vie confond, séparer ce qui est, disons quelque part, je pense, un peu des fondements anthropologiques de notre humanité, c'est un projet qui ne va pas se faire comme ça rapidement. D'autant plus qu'il fallait que les conditions sociales et économiques soient prêtes pour le faire. Conditions sociales et économiques, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tant que la paysannerie est très nombreuse, vous ne pouvez pas aller voir les paysans en leur disant « Écoutez, maintenant c'est fini, vous n'aurez plus le droit de semer le grain récolté, les gars. Non, terminez ça, maintenant vous allez nous acheter les semences. » Pensez bien que les technocrates qui se seraient pointés pour présenter ce projet aux paysans se seraient fait chasser à coups de fourche. Hein. Donc il a fallu attendre qu'une bonne partie de la paysannerie soit en effet liquidée pour que ce projet puisse prendre corps. Le deuxième aspect, c'est que les entreprises semencières jusqu'au XIXe siècle, qui est une période récente, étaient des entreprises de toute petite taille, qui n'avaient littéralement ni pouvoir économique, ni pouvoir politique. Bon, la situation, au cours des 30 dernières années, a changé, parce que vous savez sans doute que le secteur des semences est tombé entre les mains des entreprises des sciences de la vie, c'est-à-dire les gens qui fabriquent les pesticides, fongicides, herbicides, gamétocides, ovicides, larvicides. Bref, vous pouvez compléter les termes en cides. Donc vous voyez bien quel type de science de la vie vous avez à faire. Hein. C'est les sciences de la mort. Donc on a confié l'avenir du vivant, l'avenir de notre avenir, en quelque sorte, aux sciences de la mort. C'est quand même une situation qui est tout à fait extraordinaire, ça vous, je ne sais pas si vous vous rendez compte. À l'heure actuelle, quasiment tout le secteur semencier est entre les mains de Monsanto, Syngenta, Bayer, DuPont, Dow Chemical, BASF, enfin bon, tous des gens qui sont complètement impliqués justement dans cette industrie des pesticides, dans cette industrie aussi des poisons économiques. Alors là, vous allez me dire, mais d'où est-ce que vous sortez cette expression, poison économique ? Ben, si vous voulez, c'était le terme qu'utilisait cette industrie elle-même lorsqu'elle était naissante, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque les producteurs essentiellement de DDT, puisque c'était ça, mais il y avait aussi d'autres pesticides, les producteurs de DDT, donc les fabricants de ce genre de produits, s'appelaient eux-mêmes les producteurs, des industriels des poisons économiques. Alors en 1949, à San Francisco, ils ont tenu une convention et là, ils ont trouvé que c'était quand même un peu compromettant de continuer à s'appeler comme ça. Ils ont cherché de nouveaux termes et donc voilà. Maintenant, vous savez, c'est l'expression c'est les phytosanitaires, la protection des plantes. Vous savez, c'est les expressions euphémisées que l'on utilise donc régulièrement. Donc vous pouvez utiliser librement le terme poison puisque c'est un terme qui est, disons, quasiment breveté et d'origine. Qu'utilisaient eux-mêmes ces gens-là à l'époque dès 1945, dès la fin de la guerre. À partir de 1949, ça a été terminé, ils ont changé de terme. Alors, j'en étais donc à cette histoire de cette lutte contre cette gratuité de la vie. C'est quelque chose qui est littéralement permanent. Vous en trouverez des exemples dans le livre. Et c'est un souci également constant de tous les semenciers, et c'est assez normal. Tant que le grain récolté est aussi, je dirais,
variétalement ou génétiquement la récolte de l'année suivante, vous n'avez pas de marché. Alors là, il faut faire attention à une chose. J'ai eu une fois un débat avec le responsable, le numéro 2 de l'INRA, qui était directeur de la section végétale, amélioration des plantes de l'INRA, qui, lors d'une conférence à Strasbourg, il y avait eu 600 ou 800 personnes, lorsque j'ai affirmé ça, disons qu'il n'y avait pas de marché pour les, il n'y avait pas de marché lorsque, donc il n'y avait pas de marché pour les semences, lorsqu'il n'y avait pas séparation de la production à la reproduction, il avait dit, mais ce pauvre Berland, vous racontez des sottises, puisque regardez, il y a un marché pour les semences de blé. Or, l'agriculteur peut semer ses semences de grès, donc il y a un marché pour les semences de blé. Et là, il a fallu que j'explique à ce monsieur qu'il fallait bien distinguer dans les semences deux aspects. Il y a l'aspect immatériel, c'est-à-dire l'aspect qu'on pourrait appeler variétal ou génétique, appelez-le comme vous voulez. La capacité d'une plante à produire dans un milieu donné. Ça, c'est quelque chose qui est, disons, en partie, disons, contrôlé par la génétique, par l'hérédité de la plante, par ce qu'on a sélectionné. Et puis, vous avez la valeur, la capacité physique, la dimension matérielle physique de la semence, qui est le grain récolté. Dans le cas du blé, lorsqu'un agriculteur achète des semences de blé, il achète quoi? Il ne va pas acheter la variété, le fait héréditaire, l'hérédité qu'on lui vend. Ce n'est pas ça qu'il va acheter, puisque ça, il a savoir qu'en faire, puisque les plantes de blé, vous savez, se reproduisent, se multiplient individuellement de la même façon. Année après année, vous avez la même plante. Ce sont des plantes que vous savez qui sont autogames. Elles se reproduisent et se multiplient identiques à elles-mêmes, année après année. Donc le fait génétique, il l'a. Par contre, ce que n'a pas l'agriculteur qui a des semences de blé, ce qu'il n'a pas, c'est des semences de qualité physique correcte. C'est-à-dire que le grain récolté doit subir une série d'opérations pour devenir semence. Ces séries d'opérations, ça consiste d'opérations de tri. Il s'agit d'éliminer les graines de mauvaises herbes, d'éliminer les grains cassés ou trop petits. Il s'agit des opérations qui vont permettre, par exemple, de sécher le grain si c'est nécessaire, qui va permettre de le calibrer, qui va permettre de l'ensacher, qui va permettre de le traiter avec des pesticides. Tout ça, c'est une série d'opérations industrielles qui peuvent être faites par des entreprises ou par l'agriculteur lui-même. Et vous voyez comment le système est vicieux. C'était devenu d'ailleurs une spécialiste des gouvernements socialistes au cours des années 80, d'essayer de faire en sorte que l'agriculteur ne puisse pas faire ce traitement physique des semences pour avoir un grain récolté qui devienne des semences de qualité. Alors, ça a pris l'allure, que vous le savez sans doute, l'interdiction, par exemple, ça a pris l'allure, si vous voulez, de dire que les établissements multiplicateurs ne pourraient pas faire du tri à façon, c'est-à-dire ceux qui produisaient les semences de blé, par exemple, ne pouvaient pas faire du tri à façon pour les agriculteurs. L'agriculteur pouvait, lui, prendre la quantité de grains dont il avait besoin, ce qu'il avait récolté, une partie de ce qu'il avait récolté, il le portait à l'établissement multiplicateur, lequel passait dans les machines de tri, faisait le séchage, faisait toute une série d'opérations et, disons, recevait une rémunération pour ce travail-là. Donc, première étape, ça c'était Rocard, interdiction du tri à façon. Ensuite, deuxième étape qui a conduit à la création d'ailleurs de l'Association des semences paysannes en 1989. Deuxième opération, ça a été consisté à interdire toute forme de tri à façon. C'est-à-dire que là, dans les zones de céréalières de blé, vous aviez des entreprises, des petits entrepreneurs ruraux qui passaient avec une série de machines, essentiellement des machines de tri, d'ensachage, de traitement de produits phytosanitaires, etc., qui passaient dans les fermes et qui prenaient une partie de la récolte, du grain récolté par l'agriculteur et qui le traitaient pour fabriquer des semences de bonne qualité physique. Encore une fois. Bon, donc ça... Plus question de faire ça. Là-dessus, quand même, bon, à la fois un certain nombre d'agriculteurs, disons, importants, et puis de ces entrepreneurs ruraux se sont révoltés en disant non, attendez, vous n'allez quand même pas exagérer. Bon.
Et la troisième étape, vous le savez sans doute, mais il y en a eu d'autres aussi, la troisième étape a consisté, c'était du temps de Glavany, qui était ministre socialiste de l'agriculture, comme d'habitude, et c'était vraiment une spécialité socialiste, tout ça. Là, je parlais précédemment, c'était Henri Nallet. Donc la tentative, ça a été de dire que... Qu'est-ce qu'il a fait, Glavany? Ah oui, ça a été créé la cotisation volontaire obligatoire. C'est-à-dire que si vous utilisez vos propres semences, si vous les faites traiter par une entreprise à façon de tri, à façon de préparation de ces semences à façon, de toute façon, il faut que vous alliez raquer, disons, votre dîme aux multinationales qui détiennent le soi-disant le fait variétal ou le fait génétique. Donc, vous voyez où on en est, quoi. Bon. Donc la cotisation volontaire obligatoire. Alors, il y a eu d'autres formes aussi pour forcer les agriculteurs à acheter des semences commerciales, mais je pourrais les énumérer toutes les façons dont on a lutté contre cet anathème, enfin, je veux dire, ce sacrilège qui était de fait que, ben oui, on pouvait semer le grain récolté. Donc là, c'est le dernier truc, un des derniers trucs, ça a été de dire, ça c'est l'Europe qui l'a dit, eh bien écoutez, messieurs les agriculteurs, vous ne toucherez les primes européennes que si vous achetez des semences certifiées. Donc vous voyez bien que c'est une espèce d'obsession, et cette obsession, vous la retrouvez, c'est pas quelque chose de nouveau. Dès le 19e siècle, je donne des exemples, dès le 19e siècle, vous avez une série de réclamations des jeunes entreprises de semences qui disent, mais de toute façon, écoutez, nous voulons que l'État vienne nous protéger, parce que, bon, voilà, pour tout un tas de raisons. Donc notre travail doit être rémunéré. Mais si vous voulez, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse ? Les plantes et les animaux se reproduisent, se multiplient gratuitement. Et moi, je croyais qu'on était dans une société libérale, et donc ben, il faut prendre acte de cette chose-là, et puis c'est tout. Mais ben non, maintenant, dans la société libérale, les plantes et les animaux ne peuvent plus se reproduire et se multiplier gratuitement. Il faut que vous alliez raquer auprès des multinationales. Alors, là-dessus, maintenant, les hybrides. Les hybrides, bon, c'est le sujet du livre. C'est la plus belle mystification scientifique et la plus durable que je connaisse. C'est littéralement ahurissant. Évidemment, vous n'êtes pas sans ignorer que lorsque vous achetez un hybride, si vous vous amusez à semer le grain récolté, ce que vous allez récolter l'année suivante ne sera pas identique, ne sera pas égal à ce que vous avez récolté la première année. Si vous voulez reproduire les résultats, comme dit l'inventeur de la technique, les résultats splendides que vous avez obtenus la première année en achetant des semences hybrides, eh bien, il vous faut retourner auprès du sélectionneur hybride. Bon. Alors, déjà, là, si vous voulez, moi qui suis un économiste défroqué et un agronome repenti, je peux vous dire une chose, c'est que le point de départ de mon enquête sur cette affaire-là, ça a été un point de départ qui résulte d'un étonnement, quand même. Comment ? Alors, étonnement double. Là, les biologistes, les sélectionneurs, les généticiens vous expliquent gravement qu'il y a un phénomène mystérieux chez le maïs, qu'on appelle la vigueur hybride ou l'hétérosis. Alors là, l'hétérosis, vous êtes paralysé. Hein. Inutile de dire que vous n'osez même plus penser ni prononcer ce mot. Ce mot, il est réservé aux prêtres, aux grands prêtres initiés de la génétique. Hein. Donc, vous vous taisez. Donc, il y a l'hétérosis. Et du fait de l'hétérosis, ben, malheureusement, il faut que l'agriculteur aille. La seule façon d'améliorer le maïs, c'est de faire des hybrides. Et l'agriculteur doit retourner chaque année auprès du semencier pour se procurer les semences. Et comment est-ce que quiconque peut croire un bobard pareil ? C'était le point de départ de mon enquête, parce que je suis, encore une fois, économiste aussi. Et donc, si vous voulez, connaissant l'appétit pour les profits et le comportement du système dans lequel on est, c'était évident que c'était complètement faux, que c'était... Cette idée que c'était la nature, les gènes qui imposaient une relation sociale de propriété sur le vivant me semblait complètement baroque. La nature se fout pas mal de nos relations sociales. La nature, elle fait ses trucs, elle n'est pas pour le capital ni pour le socialisme. La nature, c'est la nature.
Mais là, si vous voulez, systématiquement, de façon, c'est une leçon générale de l'histoire, les classes dominantes ont toujours utilisé soit Dieu, bon, c'était l'Ancien Régime, soit la nature pour justifier leur pouvoir. Donc là, c'était le point de départ de mon enquête. J'ai mis quand même 30 ans pour finir par comprendre comment ça marchait. Et pour comprendre comment ça marche, c'est extrêmement simple, je vais vous le dire en deux mots, enfin un peu plus de deux mots, très rapidement. Il faut tout simplement enlever les lunettes génétiques de l'hétérosis et s'occuper simplement de ce que fait le sélectionneur hybride. Vous le savez, le sélectionneur hybride, il croise, il fait des autofécondations sur le maïs jusqu'à l'obtention de ce qu'on appelle des lignées pures. Processus qui est entièrement au hasard. Ensuite, avec ces lignées pures, il les croise à nouveau et il obtient des plantes qu'on qualifie d'hybrides. Le seul problème, c'est que ces plantes ne sont pas plus hybrides que n'importe quelle plante d'un champ de maïs. Elles sont, comme on dit, hétérozygotes, c'est-à-dire qu'elles ont des gènes différents. Et ces plantes sont des plantes tout à fait ordinaires. Elles sont ni plus ni moins hybrides que les plantes. Simplement, maintenant, une fois que vous avez fait cette opération, vous avez des plantes de maïs qui sont reproductibles individuellement. C'est ça qui fait toute la différence. Elles sont reproductibles individuellement parce que les lignées pures, vous pouvez les produire comme vous voulez, les reproduire et les multiplier comme vous voulez. Le croisement, vous pouvez toujours le refaire et c'est seul le sélectionneur qui peut refaire ce croisement. Si l'agriculteur veut reproduire les résultats qu'il a obtenus avec un hybride, il est obligé de racheter ses semences. Pourquoi ? Parce que cette plante particulière qui a été sélectionnée pour ses besoins, cette plante particulière est tout simplement... ne se reproduit pas individuellement dans le champ du paysan. Donc l'agriculteur est forcé de racheter ses propres semences. Qu'est-ce que c'est que cette technique ? Qu'est-ce qu'elle utilise comme phénomène ? Ben, elle n'utilise absolument pas, comme on le dit, comme le disent mes chers collègues depuis maintenant un siècle, le phénomène mystérieux, biologique, génétique de l'hétérosis. Non ! Vous utilisez simplement les variations naturelles présentes au sein des populations de maïs. Pourquoi ? Parce que cette technique, c'est tout simplement une technique de sélection qui est proposée en codifiée très exactement, elle est pratiquée bien avant, en 1836 par un monsieur qui s'appelle John Lecouter, qui est un fermier capitaliste anglais, qui, à partir du blé de l'orge l'avoine, c'est-à-dire les céréales qui sont cultivées en Angleterre, qui sont des céréales qui, vous le savez, qui sont... On dit autogame, c'est-à-dire que chaque plante de la variété conserve ses caractères individuels d'une génération à la suivante. Donc il fait exactement l'opération de clonage que j'ai décrite ici, c'est-à-dire que puisque les plantes de blé, d'orge, d'avoine conservent leur caractère individuel d'une génération à la suivante, ben, je vais essayer d'isoler, tout nom technique de l'isolement, je vais essayer d'isoler les plantes qui me paraissent les plus intéressantes. Je vais les cultiver individuellement, pourquoi faire pour les reproduire, les multiplier, puisqu'elles conservent leur caractère. Et ensuite, je vais sélectionner la meilleure de ces plantes pour remplacer la variété. C'est exactement l'opération que j'ai faite devant vous tout à l'heure en vous clonant. C'est-à-dire, eh bien, qu'est-ce que vous utilisez quand vous faites cette opération ? Ben, vous utilisez, de la même façon que si je vous clonais, vous utilisez les variations naturelles qui sont présentes dans la population que vous êtes ici. Vous n'utilisez pas l'hétérosis. Hein ? Eh bien, c'est pareil pour le maïs. Vous n'avez jamais utilisé l'hétérosis. Vous utilisez les variations naturelles présentes au sein des populations de maïs. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous n'en utilisez qu'une petite partie. Pourquoi ? Parce que la population que vous êtes ici a une variabilité, des variations qui sont bien moindres qu'une population plus grande et qui sont beaucoup moins grandes qu'une population totale qui serait par exemple la population française. Donc le meilleur clone, le meilleur premier de cordée, bien sûr, pour aller le chercher, il faudrait que j'aille jusqu'à Paris et à l'Élysée pour le trouver. Vous voyez ? Donc là, ici, ce que je fais comme opération, je fais simplement une opération sur un tout petit échantillon. Et sur un petit échantillon qui est celui que vous êtes... c'est le cas du maïs, c'est le cas de la technique du maïs, eh bien, vous avez la possibilité simplement d'une augmentation de rendement, un gain de rendement qui est absolument marginal, tout petit.
Et en plus, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on fait l'opération sur une population donnée comme celle-là, une fois que j'ai fait l'opération sur la population où vous êtes, que je vous ai cloné, si je recommence avec la même population, je vais avoir le même premier de cordée. Donc je suis dans une impasse. Donc voilà, si vous voulez, voilà l'extraordinaire de toute l'affaire, vraiment ce qui est hallucinant dans cette affaire-là, c'est comment une technique de sélection, le maïs hybride, qui ne peut apporter qu'une amélioration marginale au maïs, et une seule fois, comment est-elle devenue le modèle même de la sélection à travers le monde, puisque la soi-disant exploitation de l'hétérosis, comme je vous l'ai démontré, on n'a jamais utilisé l'hétérosis, on utilise les variations naturelles, alors que ces gens-là proclament maintenant depuis un siècle qu'on utilise l'hétérosis et qu'il faut utiliser l'hétérosis chez toutes les espèces et toutes les cultures. Alors le but de toute l'affaire, bien entendu, c'était en effet créer le premier droit de propriété sur le travail du sélectionneur, sur le vivant. C'était ça le seul objectif qu'il y avait derrière. Alors ce qui me conduit maintenant à la conclusion de ce petit exposé, je pense que vous avez maintenant, j'imagine, bien compris qu'on utilisait toutes les prétentions, si vous voulez, consistant à dire... on utilise l'hétérosis, etc. Il n'y a que nous, les grands prêtres de la sélection et de la génétique, qui pouvons faire ça. Non, messieurs les généticiens, c'est faux. Vous n'êtes même pas foutus de vous rendre compte de ce que vous avez fait. Alors, la conclusion que je tire de tout ça, c'est... ou les conclusions. La première conclusion, c'est que, bien entendu, ne faites pas confiance aux scientifiques. C'est très grave ce que je dis. Vous ne pouvez pas leur faire confiance. Voilà des gens qui, depuis un siècle, ont été incapables de voir ce qu'ils avaient sous le nez, c'est-à-dire de faire la théorie de leur propre pratique. De ne pas s'apercevoir, et c'est quand même un exploit, qu'en faisant des croisements, en faisant des autofécondations et en croisant, ils utilisaient les variations naturelles ou une fraction des variations naturelles des populations de maïs. Non, ils vous ont raconté des bobards qui servaient le système. Je dirais que c'est d'autant plus grave que celui qui a écrit les articles fondateurs de la technique le disait. Il disait les deux choses. Il disait que sa méthode allait permettre de résoudre les problèmes d'uniformité des cultures et la question de la propriété. C'est écrit noir sur blanc dans les deux articles fondateurs de 1908-1909 de Georges Schulle, fondateur de la technique. Bien, personne n'y a fait attention. Tout le monde s'est centré sur le fait qu'il pouvait y avoir une augmentation de rendement. Mais bien sûr, il fallait qu'il y ait une augmentation de rendement si on voulait que les agriculteurs adoptent ce maïs révolutionnaire qui permettait de créer d'un seul coup d'un seul à la fois l'uniformité et la propriété. C'est-à-dire une véritable révolution dans l'agriculture. Donc toute l'affaire a été entièrement maquillée par les scientifiques. Alors ça prouve quoi ? Je me suis longtemps posé le problème et enfin, comment se fait-il que des gens et les gens dont je parle dans le livre... Ce sont tous, pour la plupart, des gens qui sont membres de l'Académie des sciences des États-Unis. C'est quand même des esprits alertes, agiles. C'est quand même pas le tout venant de la recherche agronomique comme on peut en trouver à l'INRA à l'heure actuelle. Non, c'est une affaire à des grands pontes. Comment s'est dit que ces gens-là n'ont jamais vu ce qu'ils faisaient ? Et à mon avis, je crois que là, c'est assez grave ce que je vais dire. C'est que je crois que c'est parce que, fondamentalement, ces gens-là partagent la vision qui est derrière tout ça. C'est-à-dire qu'ils sont absolument d'accord avec la recherche avec le projet du capitalisme industriel, la recherche de l'uniformité, ça c'est pour l'aspect industriel des choses, et ils sont absolument d'accord avec le deuxième aspect, la recherche d'une propriété, en finir avec ce vivant qui est à la fois changeant et autre, hein, et surtout qui se reproduit gratuitement. Ils sont absolument d'accord avec ce projet-là, parce qu'il y a une... Pour moi, maintenant, c'est comme ça que je le formule, je peux me tromper. Il y a maintenant une congruence totale entre l'imaginaire du capital, c'est-à-dire l'imaginaire de la croissance indéfinie, une espèce de démesure continue, et l'imaginaire scientifique, qui est aussi l'accumulation de connaissances illimitées. Les deux vont ensemble, mais je ne dis rien de nouveau. En 1848, Karl Marx et Engels, dans le manifeste du Parti communiste, décrivait déjà les scientifiques comme les salariés à gages du capital. Comment, ce qui est plutôt ce qu'il faut expliquer, c'est comment les scientifiques
ont réussi à faire croire aux gens qu'ils étaient au service de l'intérêt public et de l'intérêt général, et qu'ils étaient des êtres qui étaient au-dessus de la société, qui surplombaient la société, qui avaient un regard objectif sur les choses. Ce n'est pas vrai et ce n'est pas possible. Tout être humain vit et est socialisé dans une société donnée et peu ou prou, il adopte les valeurs de cette société. Donc voilà. Voilà où j'en suis, moi, maintenant. J'en suis à dire que peut-être, et je vais dire une chose qui ne va pas faire plaisir à beaucoup de gens, c'est que si on fermait une partie des laboratoires de l'INRA, on s'en porterait certainement beaucoup mieux. Et que le but maintenant de toute l'opération, c'est en effet pour les agriculteurs de faire eux-mêmes, de reconquérir leur autonomie semencière. Parce qu'en réalité, si le maïs, les rendements du maïs ont continué à augmenter, c'est parce qu'ils ont utilisé les méthodes de sélection paysannes, sans le dire. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est une technique qui ne peut pas améliorer le maïs sauf marginalement et qui ne peut l'améliorer qu'une seule fois. Et ça, ça sort, découle absolument de l'analyse de ce que j'appelle de la technique elle-même. Donc, le mystère, c'est pourquoi le rendement du maïs, les rendements du maïs n'ont pas cessé d'augmenter depuis 75 ans. Eh bien, justement, parce qu'ils n'ont pas fait cette technique-là, parce qu'ils se sont ralliés aux méthodes antiques, peu élaborées, intuitives, de la sélection paysanne, qui est la sélection massale, qui consiste à essayer dans chaque lieu, dans chaque endroit, à concentrer les caractères favorables, on pourrait parler de gènes maintenant, favorables dans les populations. Et c'est cette concentration progressive qui a été faite par ces populations paysannes qui a conduit à l'extraordinaire diversité qui est maintenant mise en danger justement par ces techniques de sélection clonage de l'agriculture industrielle. Donc vous voyez qu'il y a toute une urgence pour les paysans eux-mêmes, pour les agriculteurs eux-mêmes, à se réapproprier leurs propres semences et à sortir du système industriel. Alors comment le faire, ça j'en sais rien. En tout cas pour le maïs, je peux vous dire que dans le livre, il y a au moins deux techniques qui permettraient aux agriculteurs de faire leurs propres semences, parce qu'il faut savoir quand même que les semences de maïs peuvent coûter jusqu'à 300 euros hectare, pour rien qui ne pourrait être obtenu autrement. C'est-à-dire que si l'agriculteur faisait ses propres semences, ça lui coûterait 100 fois moins cher. C'est quand même littéralement ahurissant. Alors faire ses propres semences, il faudrait accepter de perdre sans doute un petit peu de rendement. Mais bon, quand vous consacrez quelque chose comme par hectare 15 quintaux de production pour payer vos semences de maïs, vous pouvez accepter de perdre facilement jusqu'à 15 quintaux de rendement de production à l'hectare si vous faites vos propres semences qui ne vous coûtent rien. D'autant plus que ces 15 quintaux qu'il faut produire en plus, ils sont très exigeants en eau, en pesticides, en tout ce que vous pouvez imaginer. Donc vous serez gagnant même si vous perdez 15 quintaux de rendement. Évidemment, vous n'aurez pas photo dans la France agricole, comme champion du rendement. Bon. Mais après tout, ce qui intéresse les agriculteurs, c'est quand même d'avoir, au bout du compte, un revenu d'exploitation, un revenu net d'exploitation intéressant par hectare. Donc il y a plusieurs techniques qui permettent de le faire. Il y a des techniques qui consistent à revenir à ce qu'on appelle les hybrides doubles. Tout simplement, vous semez l'hybride d'une plante, disons un clone, il ne faut pas parler d'hybride, un clone de maïs de la société, le clone qu'on va appeler A, vous faites un champ. Et dans ce champ du clone A, vous faites des rangées du clone B, du clone C, du clone D appartenant à différentes entreprises semencières. Quand arrive le moment de la pollinisation, vous castrez vos lignes des clones B, C, D, etc. Et ensuite, vous allez récolter séparément vos semences sur les plantes castrées B, C, D. Donc vous allez avoir un croisement AB, AC, AD, etc. Vous avez ce qu'on appelle des hybrides doubles. C'est la technique initiale qui avait été utilisée pour lancer le maïs hybride. Je pense que cette technique-là, ces clones doubles, en quelque sorte, devrait permettre l'agriculteur devrait perdre de l'ordre de 7, 8 quintaux, 6, 7, 8 quintaux, je ne sais pas, il faut le faire. Je sais qu'il y a des gens qui le font déjà, entre parenthèses, parce qu'il y a des gens qui sont assez malins pour avoir déjà fait ça. Et j'ai un exemple, alors lui c'est un peu différent, c'est un très gros agriculteur qui avait fait ça il y a une quinzaine d'années de ça. Et il y avait eu un reportage de la France agricole, il fait ses semences de maïs, et ce monsieur m'avait raconté que dans les deux mois qui avaient suivi, il y avait eu une descente de la répression des fraudes. Hein? Oui, comprenez, suivez mon regard, qui c'est qui était derrière?
c'était les Monsanto, les coopératives, les fameuses coopératives, entre guillemets, semencières de peau, etc. Voilà, qui avaient donc dispatché, envoyé leurs agents pour de répression. Je ne sais pas. Ah, peut-être, je sais. Lors d'un procès à Carcassonne. Ah bon, ouais, tu vois, c'est bien. La répression des fraudes, justement, avait mis le doigt sur. Malgré qu'ils avaient déployé des super maîtres en droit, quoi. Et à l'époque, c'était moi qui faisais le compteur d'une audience pour le journal. Et à la sortie, le gars qui avait défendu Monsanto, je lui dis, vous nous avez donné un cours de droit et un cours d'hypocrisie. Il m'a répondu, mais c'est mon métier. Oui. Ben Michel, merci pour cette précision. Oui. Pour la forme, et puis ça ne s'angoissait pas. Enfin, c'était quand même, je crois que c'est la seule fois d'ailleurs où l'administration a attaqué le système. Ouais. Bon, ben voilà. Bon, je crois que j'ai à peu près terminé. Je pense que vous êtes à peu près convaincu maintenant à la fois du fait que l'objectif central et final du système, c'est quand même bien celui-là, en finir avec la diversité du vivant et en finir avec la gratuité de sa reproduction, et que maintenant, à travers toute une série de choses, j'en ai déjà parlé un petit peu, tous les moyens sont bons pour arriver à ce résultat-là. Maintenant, ce qui est en cours, c'est le brevet. Le brevet, c'est un véritable scandale, le brevet du vivant, mais c'est en cours, ne vous inquiétez pas, c'est des choses qui avancent tout doucement, derrière tout un paravent philanthropique, c'est-à-dire qu'on vous raconte que dans une société technologique, il faut du progrès technique et de l'innovation, et pour avoir du progrès technique et de l'innovation, il faut que, évidemment, le travail de l'inventeur soit protégé, sinon il n'inventera pas. Hein, et donc il faut le brevet. Bon, ça c'est un bobard absolu, si vous voulez, ça n'a jamais existé. Même les économistes, c'est dire, si vous voulez, sont incapables, n'arrêtent pas de répéter qu'il n'y a jamais eu la moindre preuve que le brevet incitait à l'innovation. Alors, pour que des économistes néoclassiques en arrivent à dire ça, si vous voulez, il faut vraiment que là... C'est plutôt le contraire, quoi. Et au contraire, d'ailleurs, il y a même des gens qui disent que le brevet, c'est quelque chose qui incite à la paresse intellectuelle. Et c'est tout à fait vrai. Le brevet, ça incite au monopole de quoi ? Des multinationales. Et les multinationales, elles font des ronds avec le brevet. C'est tout ce qui les intéresse de faire. Et elles ne vont pas investir là-dedans si vous les investissez, ce qui est nécessaire pour continuer leur business. Mais les vraies innovations, pour revenir donc à l'atelier paysan, elles viennent le plus souvent et presque toujours de la base. Et ensuite, elles sont récupérées par le système technoscientifique et transformées en innovations rentables et brevetables et autres. Mais la réalité n'a rien à voir. La plupart beaucoup de grandes innovations viennent de la base. C'est-à-dire le tracteur, par exemple, le modèle du tracteur, le tracteur poutre, par exemple, c'est quelque chose qui est issu de travaux des paysans, des agriculteurs américains. Très largement des agriculteurs américains eux-mêmes. Ils avaient essayé d'abord à faire comme avec des châssis de voiture, si vous voulez, et puis ça ne marchait pas. Et disons, à force de réflexion, ils sont arrivés à ce modèle du tracteur moderne, c'est-à-dire vous flanquez le moteur sur une grande poutre, si vous voulez, qui fait tout le tracteur. Donc vous sortez du châssis. Mais ça, c'est les agriculteurs qui l'ont trouvé. Après, disons, les Ford et autres inventeurs, si vous voulez, se sont emparés de ce qu'on fait, de ce qu'ont trouvé les gens sur place. Et d'ailleurs, il y a toutes les chances pour qu'en effet, comme dans l'atelier paysan, pour que les innovations qui viennent de la base, parce qu'elles sont parfaitement adaptées, ces gens-là, il y a des milliers de gens qui réfléchissent à la meilleure façon d'améliorer leur travail, leur confort, etc., etc. Et qu'il n'y a pas de raison que ces gens-là, si vous voulez, ne trouvent pas des solutions à leurs problèmes. Et quand ces solutions sont suffisamment larges, elles sont purement et simplement confisquées par le système industriel. D'ailleurs, vous avez raison de breveter pour protéger, pour empêcher que le système industriel vienne s'emparer justement de ces travaux. Et je dirais qu'aussi autrefois, il y avait une profession qui a complètement disparu. Il reste quelques personnes qui sont là, ce qu'on appelait les taillandiers.
taillandier, c'est des gens qui fabriquaient pratiquement des outils à la demande des paysans localement. C'est-à-dire qu'il y avait toute une gamme d'outils qui étaient, disons, élaborés par ces taillandiers en accord avec les paysans et à la demande des paysans, et des outils qui correspondaient très précisément au type de sol, à la façon de travailler, au type de culture, etc., etc. Et il y a beaucoup d'outils, je pense qu'il y a, un conservatoire à monter d'outils manuels qui a été fabriqué par ces taillandiers, parce qu'il y avait justement cette adaptation choisie, continue, réfléchie au milieu. Donc moi j'en ai aussi marre, si vous voulez, d'entendre parler de l'innovation à la Macron, si vous voulez, alors que l'innovation, elle se fait à la base, et elle s'est toujours fait à la base, et c'est de là qu'elle doit partir. Donc merci pour le travail que vous faites. L'atelier paysan, je suis absolument enthousiasmé par votre façon de faire et le projet qui est derrière. Bon, bien sûr, ça mettra du temps. Donc pour les semences, c'est pareil. Il faut reprendre son autonomie, je crois que c'est ça. Et si vous voulez, et je pense que le livre tel qu'il est là, maintenant, il peut être très utile, je suppose en tout cas, pour poser des questions à la recherche agronomique, en lui disant, maintenant, au service de qui êtes-vous ? Comment se fait-il que pendant un siècle, vous ne vous êtes même pas aperçu que ce que vous faisiez n'avait rien à voir avec ce que vous affirmiez être en train de faire ? C'est quand même... Est-ce que vous vous rendez compte qu'en réalité, vous êtes au service d'un système et que vous avez complètement assimilé l'idéologie de ce système, cette idée de démesure, disons, à la fois du capital et des mesures des connaissances, et cette alliance entre la science et la technique. C'est une chose aussi qui me frappe, c'est que même dans les milieux, disons, un peu progressistes, beaucoup de gens sont choqués par mes propos. Ah, tu remets en cause la science, etc., etc. Mais je dis, vous ne pouvez pas à la fois remettre en cause le système industriel qui est en train de nous conduire à la catastrophe, sans remettre en cause ce qui l'alimente de façon constante et permanente, c'est-à-dire la science et la technologie. Soyons logiques. Ce qui est posé derrière tout ça, c'est en effet quel type de science et quel type de technologie faut-il mettre en place. Et moi, je pense que ce que montrent l'agriculture, les agriculteurs bio, largement, ou biodynamique, tout ce que vous pouvez imaginer, c'est qu'en effet, il y a une capacité absolument extraordinaire d'innovation parmi les gens qui sont dans la pratique, et qui n'ont pas besoin de toutes ces fanfreluches ésotériques de la recherche agronomique, qui sont parfaitement capables de trouver des solutions techniques. Le cas de Cuba, c'est pour terminer, est tout à fait typique. Quand Cuba s'est retrouvé en 89 sans accès aux pesticides venant de l'URSS ou des pays qui sont des pays de l'Est, des pays communistes, anciennement communistes, ben ils ont eu très très faim, hein. Ils ont failli crever de faim littéralement. Et ben, le fait de crever de faim, ça les a rendus quand même intelligents. C'était au moins l'avantage. Et donc Cuba a mis au point tout un tas de techniques, si vous voulez, consistant à faire par la nature ce qu'ils faisaient faire à coups de pesticides. Pour donner un très joli exemple, la patate douce, elle se faisait bouffer par des pucerons. Bon. Donc les biologistes cubains, parce qu'il faut être biologiste, vraiment biologiste, pas biologiste moléculaire, les biologistes cubains se sont dit, mais comment résoudre le problème ? Et puis ils se sont aperçus qu'il y avait des fourmis qui mangeaient les pucerons. Seulement, le problème, c'est que ces fourmis, les nids de ces fourmis doivent être, sont situés à l'ombre, ils doivent être à l'ombre. Et que ces fourmis ne se déplacent que sur un rayon de 25 mètres autour du nid. Alors comment faire ? Ben, ils ont dessiné un système de champ en damier, si vous voulez, avec donc un damier, ça comporte des bananiers pour faire de l'ombre. Sous l'ombre, on installe les fourmis. On cultive à côté sur 25 mètres, plus 25 mètres de chaque côté, puisqu'il y a un damier de chaque côté. Donc sur 50, on met en place la culture de patates douces. Les fourmis, ben, elles sortent de l'ombre, elles vont boulotter les patates douces. Donc vous avez un paysage, si vous voulez, qui est en damier.
un damier de bananes, donc des damiers de culture de patates douces avec des damiers de culture, avec des parcelles de bananiers. Voilà, vous faites faire le boulot par la nature. Mais pour ça, il faudrait que la recherche agronomique, disons, continue à avoir des entomologistes, continue à avoir. Or maintenant, ils font tous de la biologie moléculaire. Évidemment, la biologie moléculaire, l'intérêt, c'est que vous pouvez publier très rapidement. Vous faites une petite séquence et hop, vous avez un article dans une revue internationale. Alors que si vous voulez observer comment les fourmis se déplacent pour aller bouffer les pucerons, ben ça, c'est un travail, si vous voulez, peu spectaculaire, lent, difficile, qui nécessite beaucoup d'observation, qui nécessite beaucoup d'intelligence. Et c'est là tout l'obstacle qu'il y a à l'heure actuelle, je pense, pour aller vers une agriculture écologique. C'est, il faudrait reformater complètement l'ensemble des chercheurs. Bon, voilà, je vous laisse maintenant la parole. Merci.